le maillot de bain a fait un long voyage. Il a traversé la Méditerranée. Pour vous dévoiler les secrets de ce petit bout de tissu, nous partons pour le pays où il est fabriqué, la Tunisie. Plus connu pour le tourisme, le pays est aussi réputé pour son savoir-faire en termes de confection de lingerie et de maillots de bain. C'est bon. Nous retrouvons Alain, à Bizerte, dans la région de Tunis. C'est ici qu'il fait fabriquer ses maillots de bain depuis 20 ans. Dans cette usine, il a trouvé une main-d'œuvre qualifiée. 140 femmes et quelques hommes piquent et cousent pour lui à plein temps. Il travaille depuis des années avec Arkaya, la chef d'atelier, et Raled, le directeur de l'usine. Plein de choses à vous donner, hein. Plein, plein, plein. Modèle à monter de suite. On monte direct travailler ? Alain est venu pour valider un nouveau prototype. Il espère voir ce modèle en magasin dans quelques semaines. Ah, voilà. Visiblement, c'est loin d'être gagné. Sérieusement, vous me faites quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, Alain ? Mais je peux pas être content. Dis-moi, qu'est-ce qu'on a comme coque ? Qu'est-ce qu'on a comme couleur de coque ? Tu vois, ce qui me plaît pas, c'est juste c'est la doublure qui ressort en blanc sur un maillot bleu marine. Alors, le problème, c'est qu'il... Moi, je la vois. Et moi, ça me dérange. Il est dur, le patron, là. Il aime la perfection. Et il a raison. Elle mérite toujours. Je peux pas. Elle me prend pas au sérieux. Je suis pas content. Vous avez de la chance de faire du bon travail, hein, je peux vous. Merci. Merci. Allez, go. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et le montage d'un maillot, ça commence par le chrono. Puis débute le travail à la chaîne. Et on donne au confort. Et voilà. Ça y est, c'est fini. 22,57. 20... Ah, moi, je lis 2 minutes 25. Magnifique. Alain retrouve le sourire. C'est super. La différence, c'est plus du tout pareil. Ça, c'est un maillot, je dirais pas de grande surface. Ça, c'est un beau maillot de bain. Voilà.